Hop là, ça y est, c'est minuit, c'est Noël! Wouhou! Allez, on va aller ouvrir les cadeaux là, c'est parti! Ouais, enfin, vous pouvez voir minuit en bas à droite, mais vous pouvez surtout voir un autre détail qui me trahit, c'est que nous sommes le 18, hein? Ouais, c'est un petit fail, hein? Non, 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 bien évidemment, j'allais pas faire cette vidéo pile le jour de Noël. Bah, parce que si je le faisais pile le jour de Noël, bah vous l'auriez pas eu le soir de Noël, hein. Donc voilà, fallait pas rêver, fallait bien que je le fasse un petit peu avant quand même. Et en fait, j'ai profité de faire cette vidéo différente des autres, puisque vous avez vu, elle est sur ordinateur. Et ouais. Bon, il y en avait déjà eu une sur ordinateur, que j'avais fait avec le même logiciel, mais que j'avais fait avec une version d'essai. Alors que là, je l'ai acheté. Ce logiciel s'appelle Mirilis Action, il coûte pas cher du tout et je vous le conseille vraiment si vous voulez faire des vidéos comme ça de vos jeux sur ordinateur. Il est très très bon, il a une bonne configuration, on peut faire des vidéos d'une très haute qualité. Pour ça, il n'y a pas de problème. Bon, moi, j'ai un petit problème avec mon ordinateur, c'est que on va dire qu'il est pas super bien, donc du coup, je vais pas pouvoir faire tourner des jeux extrêmes. Et donc, vous allez me dire, mais alors pourquoi t'es sur ordinateur là et ben, normalement, tu vas faire quoi? Tu vas nous proposer un jeu et tout, il va être génial, il va être super pour Noël et tout. Et ben non, 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 non. Enfin, ce sera un jeu où je dirais même des jeux. Mais ce sera pas des jeux comme vous aurez l'habitude de voir. Ce sera pas des jeux super beaux, super bien faits et tout qui pètent de partout. Non, non, en fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est de ne pas faire un seul jeu déjà, mais c'est de faire plusieurs jeux. C'est-à-dire qu'on va aller sur Internet, là, voilà, tous ensemble. Regardez, bah, on va le faire en direct. Allez, c'est parti. Hop, on ouvre Google Chrome. Et ce qu'on va faire. Alors, s'il veut bien arrêter de bugger, c'est bon. On va aller sur Google, voilà. Et ce qu'on va faire, regardez avec le 120e anniversaire du ballet Casse-Noisette. Ok. Quoi? Vous savez pas ce que c'est? Bon, ben, on va aller voir ce que c'est alors. Hein? Attendez, on va un petit peu se cultiver. Allez, c'est parti. Alors, Casse-Noisette, qui en russe. Quoi? Ouais, je suis désolé. Ch'tichel kunchik. Bref. C'est un ballet féerie de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Voilà, enfin, bref. En deux actes, soit trois tableaux en 15 scènes présentés pour la première fois le 18 décembre 1892 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg sous la direction de Ricardo Darigo et chorégraphié par Lev Ivanov. Très intéressante comme vidéo, vous ne trouvez pas? Bon, d'accord, ok, on va arrêter les conneries ici. Voilà. Et là, on va mettre Jeu Noël. Et là, nous tombons sur un merveilleux lien que j'ai déjà été pour voir s'il y avait des. En fait, j'ai pas regardé les jeux. J'ai surtout regardé s'il y avait une bonne palette de jeux. Et il se trouve que. Eh bien, il y a des jeux exprès. Regardez là. Noël, la catégorie Noël qui est faite exprès pour les jeux de Noël. Regardez. Oh là là, tous les beaux jeux qu'on va pouvoir découvrir. Oh là 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 là. Bon, sauf que. Je vous dis tout de suite, on va pas tous les faire. Hein. Le Père Noël dans une cage de foot, là. Ouais, tiens, on va aller voir ce que c'est, allez hop. Ouais, on va pas tous les faire. On va juste découvrir un peu ce qu'il y a comme jeu flash sur les jeux de Noël. Alors. Play! C'est quoi ça? Ah oui, ça y est. Nanananananananan. C'est une musique de Noël. Oui, je me demandais s'ils allaient mettre. Oh bah, je choisis le Père Noël, hein. Qu'on peut pas. Comme ça? Ouais? Ah, mais d'accord, on choisissait le. Attention, on va essayer de mettre des bibites au Père Noël, attention! Ça, c'est bizarre, là, il y a un petit bug au niveau des. Des filets, là. Mais c'est. Tintintintin! Tintintintin! Et j'ai oublié de vous dire un joyeux Noël à toutes et à tous, bien sûr, voilà! Allez, on va peut-être lui mettre un but. J'espère. Hein? Alors, j'ai tiré là, et le truc, il a été ici. Mais en fait, peut-être qu'il a touché, non? Bref. Oui, donc j'espère. Ah, mais d'accord, il y a une jauge, j'avais pas vu. Bon, vraiment facile.
J'espère que, bah, que vous passez un agréable Noël. Mais bon, si vous regardez ma vidéo le soir même de Noël, c'est que... bah, soit vous avez réuni toute votre famille autour de l'ordinateur, soit bah, vous êtes un petit solitaire ou une petite solitaire et que bah, vous avez voulu la passer comme ça avec moi. Et je trouve que c'est vachement mignon, c'est vachement gentil. Je suis tout émoustillé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je tire ici et... je comprends rien. Et puis bah, j'espère que vous avez eu des beaux cadeaux ou alors que vous attendez peut-être le lendemain pour les ouvrir. Qu'est-ce que vous pourrez avoir, hein? Vous pourrez peut-être avoir une petite... Mais c'est... Ah, mais put... Je viens de comprendre. Laissez-moi vous dire que je suis vraiment con. En fait, je viens de comprendre que là, je suis le Père Noël, comme j'ai bien choisi au début. Ouais, et que là, à ce moment précis... je suis le Père Noël, c'est moi qui vais plonger. Donc en fait, il faut que je choisisse l'endroit où je vais plonger. Ici, allez hop. Oh, presque. Oh non. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, on en est à combien là? Santa Claus. Ouais, j'en ai loupé un et elle a tout eu. Oh, c'est quoi ce bordel là? Je les mets toujours au même endroit, mais elle plonge toujours au même endroit aussi. Hein. Bon, alors celui-ci, il faut que je l'arrête en fait. Hein. Allez, c'est parti. Oh oui! Oh oui, c'est bon! Quel arrêt, mais quel arrêt! Allez, maintenant, lui, il faut que je le mette, comme ça, ça sera égalité. Oh là là, elle avait anticipé le coup que je faisais toujours pareil. Mais non! Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Bon, elle est mort subite, là. Elle a fait au milieu. Elle a fait à gauche. Comme généralement dans les jeux Flash, ils sont cons. On va les mettre ici. Oh là là, mais que je suis bon. Eh, je suis un anticipateur de dingue, quoi. Non, mais attendez, vous l'avez sous les yeux, là. C'est pas beau, franchement. Bon, alors, on va lui mettre une pleine Lulu, là. Oh, là, arrêtez. Oh, cette... cette vieille grand-mère. Bah là, on va aller à gauche, ouais. On va aller à gauche. Attention. Oh non, je voulais rester au milieu. Mais oui, parce qu'elle fait milieu, gauche, droite, apparemment. Bon bah là, on va lui faire ici, hein. Elle avait été à droite déjà. Voilà, non mais c'est super simple. En fait, si le jeu a été programmé comme je le pense, alors là, je vais l'arrêter. Oh non, bravo, bravo, bravo. Il est pas si con que ça. Bon, ça va, d'accord. Ok, bon bah... j'ai envie de te le foutre au milieu, là. Je vais la faire à la Trezeguet en finale de Coupe du Monde 2006 contre les Italiens. Il me semble que c'était ça, hein, parce que je suis pas un fada du foot. Hein, donc excusez-moi si je dis des conneries. Hein. Mais on va essayer de faire ça, mais cette fois, on va pas la faire à la Trezeguet totalement, parce qu'on va essayer de pas se gourer quand même. Hein. Hop. Oh oui. Ça s'appelle une palenka. Hein, si, il me semble que c'est ça. Hein. Alors là... je sens bien là, allez. Oh non, mais à chaque fois que je vais rester au milieu, putain, c'est pas possible. On va faire quoi là? On va pas retenter une palenka quand même. J'ai envie de tenter ma Lulu, hein. J'aime bien ma Lulu. Oh oui, elle était belle celle-là. Oh, mais c'est putain de serré en fait. Là, il faut que je l'arrête et qu'après je mette le prochain. Ouais, il faut que je fasse ça. Allez. Ici. Oh non, mais à chaque fois, elle le fait au milieu, putain! Alors, lui, si je le rate, j'ai perdu. Allez, là. Oui! Oh, c'est super serré, là. Vous avez vu ça un peu? L'esprit de Noël, quoi. Allez, là, je l'arrête ici au feeling. Oh oui! Oh putain, oui! Oui. Au feeling. Ça y est, j'ai gagné, non? Non, là, il faut que je le mette, c'est ça? Ah ouais, là, il faut que je le mette. Oh putain. Oh, qu'est-ce que je fais? Je le mets au milieu. Je le mets au milieu, allez. Oh oui! J'ai gagné! J'ai gagné! Ah, le champion du monde! Oh, excusez-moi, je fais un petit peu le con, mais c'est pas grave. J'ai gagné, quoi. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà, premier jeu fait, premier jeu réussi. Moi, je dis, allez, ça s'enchaîne avec la suite. Non, non, pas play again. Non, je veux revenir. Allez, eh ben, c'est parfait.
Ah, ça commence bien. Ah, ça commence bien cette petite session de jeu flash là sur Noël. Oui, donc je disais, pour vos cadeaux, j'espère que vous avez eu de beaux cadeaux, que vous attendez peut-être des beaux cadeaux. Par exemple, une petite Wii U, ça ferait du bien, hein, parce que on peut en dire beaucoup de mal de cette Wii U, mais ah, à chaque fois qu'on a une nouvelle console, on est toujours content, on a toujours cette petite magie là. Ah, faut pas se le cacher, hein. On adore ça, hein. Il y en a un qui m'intrigue, là, c'est quoi pays de Noël? Allez hop, on va voir ça. Vu l'image, ça fait un petit peu. Ouais, peut-être jeu de plateforme, je dirais, non? J'ai branché ma manette au cas où. Au cas où il faudrait une manette. Parce que souvent les jeux sont. Allez, bah play. Ah oui! Génial! Un petit jeu de plateforme. Super Power CS. Ouais, bah je vais jouer avec le clavier parce que je sais pas les touches du coup pour le. Bah si j'utilise la manette. Donc, Stop Flying, c'est A. Ensuite, S, c'est Super Power. Ok, je vais mettre. Et P, c'est. Ok. Allez, c'est parti. Ah, ça c'est quoi? Donc, ça c'est le premier niveau? Ah, oui, c'est le premier niveau. Find Santa and avoid the Elves. Alors, attends, ça veut dire. Trouve le Père Noël. Et évite les elfes, c'est ça non? Ah mais je saute. Pourquoi il disait stop flying? Ah c'est si je vole, j'arrête. D'accord mais c'est sauter. Et là c'est. C'était quoi S? C'est rien du coup S. C'était. Ah c'était super pouvoir mais j'en ai peut-être pas encore. Et si je leur saute dessus? Oh il y a des patates! Oh il y a des patates! Je sais pas ce qu'elles font là les patates. Surtout avec un bonnet mais. Ok, bon c'est un petit peu à la Mario. Oula, qu'est-ce qui se passe? Jeu gratuit. Et j'en ai rien à foutre. J'ai un super pouvoir. Non, j'ai pas de super pouvoir. Ouh là là, alors par contre, c'est lent, hein. Hop. Ok, bon, c'est pas très très passionnant. Mais bon. Voilà, en gros, on tue des patates, quoi. Le jour de Noël. En fait, on va se faire son petit repas de Noël, là. Un repas de Noël plein de patates, quoi. Donc là, on les récolte. Ouh là, oh merde. J'ai cru qu'il. Ah ouais, alors faut d'abord que j'ai celle-ci, là. Parce que sinon, je vais me la payer en sautant, l'autre. Faut que j'essaye de. Ah, mais les Santa! C'est les boules de Noël, non, en fait? Et là, je vois moins 9, ça veut être que je dois en récupérer 9, non, encore. Ah, ouais, c'est ça! Ah, ouais, faut. C'est une. Ouais, c'est un jeu de plateforme recherche, quoi. Et éleveuse, c'est peut-être les pommes de terre, du coup. Mais je dois les éviter? Non, je sais pas, j'ai pas compris. Bon, allez, la suite du niveau, on va voir ce que c'est. Bon, je crois pas qu'on va faire que ça, hein, parce qu'il est déjà assez lent, pas très très passionnant. Mais bon, c'est pour découvrir en fait un peu tous les jeux Flash en fait qu'ils peuvent nous proposer les jours de Noël comme ça, pour voir s'ils sont bien. Bon, moi en général, j'ai pas un avis très très bon sur les jeux Flash. Je vous en avais fait un qui était Give Up Robo 2, un défi, je devais le finir. Donc c'était un défi comme quoi je devais le finir en une seule fois qui avait été lancé par mon cher petit Only. Et en fait, bah lui par contre. Ah, bah, ah presse SA. Donc là, je dois avoir un super pouvoir. Donc on va rétamer celle-ci là. Quoi? C'est même pas un pouvoir à distance? Attendez, ça a bugué là. Ça a bugué. Il a bugué. Quand je vous disais que mon ordinateur, il était pas assez puissant, et bah tant mieux qu'il ait bugué parce que il était nul. Voilà. Non, il était un peu chiant, faut l'avouer. Non, du coup, je sais. Ah oui, j'avais fait un bon jeu Flash qui s'appelait Give Up Robo 2 et il était vraiment très très bon. Mais bon, pour des petits jeux Flash comme ça pour Noël, voilà, faut pas s'attendre à un truc exceptionnel. Allez, on va faire un petit peu de golf. Apparemment, c'était du golf. Non, mais voilà, c'est marrant. Moi, franchement, tout seul. Tiens. Bon, ok. On avait un petit écran à la Space Invader là. Instructions. Bon, alors les instructions. Ah, c'est en anglais. Bon, on va essayer de comprendre ça. Can you hit a hole in one? Pouvez-vous y mettre dans le trou en une seule fois? Use your left. Oh merde, on s'en fout. Play. Voilà. Même si j'aurais rien compris, je m'en fous. Alors, en laissant appuyer à droite, il fait ça. En laissant appuyer à gauche, il fait ça. Je suppose qu'en appuyant sur espace. Voilà, j'en étais sûr. On va essayer comme ça. Oh là là! Eh mais, magnifique. Non mais,
Incroyable, voilà, je suis incroyable. C'est tout, voilà, il n'y a rien à dire d'autre, de plus, quoi. Bref, on va continuer. Alors, ouais, là, il n'y a pas grand-chose qui change. Normalement, je devrais l'avoir aussi du premier coup. Ouais, bon, bah, les jeux flash. C'est sûr que je l'ai... Oh, merde. Oh. Oui, bon, bah, je vais aller prendre une règle, je crois. Ouais, je vais pas y jouer tout seul. Je jouerai pas un jeu flash... Merde, mais en fait, faut vraiment être à droite, quoi. Ouais, je jouerai pas un jeu flash spontanément tout seul. Parce que il me plaisent pas. Je veux dire, moi, faire ça en vidéo pour Noël, ouais, ça me plaît. Ça me plaît, je m'en fous. Ah, d'accord, on a 3 essais. Ok. Ouais, ça, je m'en fous. Pourtant, il était simple, hein. En fait, faut pas que je réfléchisse, je fasse comme l'autre. Allez, hop, on fait ça, on tire et c'est parti. Ah non. Ah, pourtant, je suis passé... Ah, c'est précis, c'est plus précis que ce que je pensais, tiens. Ouais, je les ferai pas tout seul, parce que bon, pour moi, c'est pas des jeux qui me passionnent. Je veux dire, même si le graphisme en soi n'est pas vraiment un détail à prendre absolument en compte dans ce qui est de aimer un jeu ou non, mais moi, personnellement, ça joue quand même beaucoup. Et quand je vois les graphismes des jeux flash, mais en même temps, on voulait qu'ils fassent comment, c'est normal. Mais moi, c'est vraiment pas du tout un univers qui m'attire. Ça me rebute plus qu'autre chose. Je trouve ça dégueulasse et ça me... J'aime pas, quoi. J'ai l'impression de... Enfin, ça fait peur, quoi, presque. Parce que je sais pas, c'est pas beau, c'est... Je sais pas comment vous dire ça, mais non, j'arrive pas du tout à accrocher. Pour se marrer, voilà, pour se marrer comme ça, ouais, y a pas de problème, j'aime bien, y a pas de souci, c'est marrant, voilà, on s'éclate, on s'amuse des petits bugs qu'il peut y avoir, voilà, c'est pour rigoler. Mais si vraiment vous voulez vous amuser à un jeu comme ça, et je sais pas, moi, vous y éclatez sans vous attendre à un quelconque bug. Oh là, je suis vraiment bon là en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive là, je sens pousser des ailes là. Ouais, si vous attendez à jouer un jeu hyper bien, sans bug et tout, super beau, bah non, c'est pas des jeux flash à aller chercher. Ou du moins, c'est pas n'importe quel jeu flash, je dirais. Parce que si vous prenez l'exemple de Give Up Robo 2 ou d'autres jeux flash très connus, comme par exemple, je sais pas moi, Super Meat Boy, qui est devenu carrément un jeu à télécharger sur des vraies consoles, PlayStation et tout... Là, ouais, ça, c'est vraiment des jeux à potentiel et qui, là, font bien en sorte de ne pas avoir de bugs, de tenter d'être bon et tout ça et tout ça. Donc là, oui, mais il faut s'y connaître ou du moins, il faut savoir se renseigner sur des bons jeux flash. Tandis que là, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va pas être du grand niveau, ça, je vous le dis, hein. Ouais, déjà, vous le voyez depuis quelques minutes déjà, c'est pas folichon, hein, mais bon. Alors, on va aller jusqu'au bout de ce jeu, au moins, qui me paraît... Ah, mais il faut toujours que je le mette un peu plus à droite que ce que je pense. Ouais. Là, par exemple, hop, c'est pas mal. Attention. Ah non, trop à droite, du coup. Bon, la flèche est à chaque fois remise à l'emplacement qu'il faut. Moi, je crois que je vais aller prendre une règle, hein, c'est pas possible. Attendez, j'ai... Qu'est-ce que j'ai? J'ai une espèce de spatule, là. Oh merde, c'est fini! Oh bah merde, j'avais une spatule, quoi! J'aurais pu m'aider d'une spatule! Bon, allez, bref, c'est pas grave. Allez, on revient. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi, ça? Fat Santa. Allez, hop. Et alors, on voit qu'il y a des vues, où c'est le nombre de clics qu'il y a pu avoir. Je sais pas. Donc on pourra peut-être se référer à ça pour voir les jeux qui sont plutôt bons ou pas. Mais bon, ça peut être marrant. Oula, c'est assez fort le son là. Ah ça l'enlève. Mais non, faudrait pas, on va juste baisser le son un peu. Je sais même pas si ça fait quelque chose que je baisse le son ou pas pour la vidéo. Parce que peut-être ça prend le son. Ouais, bref, j'en sais rien. Oui, faut peut-être pas se référer trop aux vues ou pas parce que... C'est marrant aussi de trouver des jeux... De jouer à des jeux qui sont pourris. Ah bah bien, bah laissez-moi le temps de jouer un petit peu, non Ouais, je vais submit mon score, ouais. Replay, attention, là. Ah d'accord, faut esquiver en fait, c'est ça? Non? Ou alors faut récupérer les cadeaux? Hey, vive le vent d'hiver.
Ah là là. Faut que j'arrête les conneries, je crois. Oh, le gameplay, il est pas mal, en fait, hein. Tiens, alors, ok, bah, je peux récupérer des trucs, mais je sais pas ce que je peux récupérer et ne pas récupérer. Ok. Je suppose que je ne dois pas me faire toucher par les espèces de bonhommes, là. Donc, en fait, je crois qu'il faut que je récupère le plus de choses possible, quoi. Oui, je disais, le gameplay, il est pas... C'est pas à droite, gauche, haut, bas. C'est, on peut aller en diagonale et tout. C'est vachement intuitif sur le clavier, quoi. Sur le clavier, pourtant, avec des touches, hein, pas un analogue. Oulala. Il commence à y avoir pas mal de choses. Oh non, bah alors vraiment, la hitbox, là, elle est pourrie. Hein. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il commence à y avoir pas mal de choses à l'écran, là. Il commence à un peu à morfler, là, mon ordi. Processeur, là. Parce que là, il faut vraiment pas s'approcher du tout, quoi. Parce que, à peine tu t'approches, tu... Ouh là, je suis sûr que je l'ai frôlé, quoi. Alors que pourtant, j'aurais pu encore avancer. Mais c'est... La... Comment on appelle ça? La hitbox. Oh là, par exemple, là vous voyez que physiquement, je l'ai pas touché, le truc. Mais c'est juste que le jeu considère que je l'ai touché parce que le Père Noël autour de lui a une hitbox, c'est-à-dire un endroit où dès que cette hitbox va rentrer en contact avec un truc qui va faire en sorte qu'on va crever, ben le jeu va interpréter le fait qu'on l'a touché et que donc on perd une vie. Bon, c'est pas passionnant de faire du scoring tant que je change de jeu. C'est sympa, bon ouais. J'ai trouvé que le gameplay était plutôt bon. Alors qu'est-ce que c'est ? Noël, trafic ? Zéro vue, zéro rien, allez hop, c'est parti. On va voir ce que c'est. On va gérer le trafic de Noël, parce que oui, à Noël, il y a beaucoup de trafic sur la route, hein. Et oui, il y a beaucoup de camions. Non, qu'est-ce que je dis ? Mais qu'est-ce que je dis ? Ah là 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 là. Il y a beaucoup d'employés du Père Noël qui naviguent sur les routes, enfin qui naviguent, on dit pas naviguer, qui roulent, on va dire, sur les routes pour transporter les cadeaux aux enfants. Et oui, c'est tout le Père Noël, attendez, qu'est-ce que j'allais dire, hein, franchement. Et là, va falloir gérer un peu tout ce trafic. Oui, parce que généralement, les gens, ils sont chez eux, hein, le jour de Noël, hein, à part si vous aimez rouler. Hein. Play, allez, c'est parti. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire quelque chose en anglais encore? Qu'est-ce qui se passe? Oui, un smiley, un cadenas, 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 cadenas. Oui, c'est cool. D'accord, ouais, c'est le premier niveau. Click on a red signal to stop and green signal to move vehicles. Vehicles. Clear the sign target on the top right. Oh, stop toi! D'accord! Carambolage, c'est parti! Oh putain, je sens que je vais me... Ah non, par contre, pourquoi on revient... Oh là là, si à chaque fois ils nous font le coup, là... Ouais, allez, vas-y, oui, oh là là, c'est long! Try again, yes! Alors, toi, donc, ok, pour le moment... Par contre, target véhicule... Ah oui, d'accord, donc là, on va le laisser au rouge. Tu peux passer, vas-y. Ah, toi! Oh non! Oh là là, c'est un truc de fou. Allez, vas-y, passe. Attention, faut gérer. Là, j'en ai passé. Arrête-toi, parce que je... Et je suppose qu'il faut pas que je laisse un trop gros bouchon. Ah ouais. Oh putain, d'accord. Ah, c'est un truc de dingue. En fait, il faut que j'essaye de les faire passer le plus rapidement possible, parce que sinon, vous voyez bien que il y a un bouchon derrière, et que si j'en laisse passer, bah... Et ils vont avoir plus de chances de se percuter. Mais aussi, ce que je peux faire, c'est les faire passer. Mais en faire passer, par exemple, une par une, hein, ça pourrait être pas mal. Bon, voilà, j'en ai laissé passer deux, c'est parfait, il n'y a pas beaucoup de trafic. Attention, hop, là, on arrête, on passe. Ok, c'est pas mal, allez, passe, stop. Non, mais je te dis stop. Oh, tu peux pas ralentir en deux secondes. Alors, j'avoue que si on nous ferait ça dans la vraie vie, on nous fait vert, rouge, vert. Attention, un petit suspense, là. Ce serait assez marrant. Mais pas pour tout le monde, vu qu'il y aurait des carambolages. Ouais, ok. Ah, mais d'accord, j'ai eu un game over, là, en gros. Ouais, bon, attendez, je vais essayer de passer le premier niveau, non? Ce serait pas mal. Tiens, c'est bien ça, parce que là, comme c'est minuit 25, je sais que ça fait 25 minutes que j'ai commencé la vidéo. Voilà, je suis pas obligé de regarder sur mon logiciel, c'est parfait.
Donc on va faire, je sais pas, une vidéo de... Pff, j'en sais rien, on va voir quand j'en aurai assez des jeux Flash. Mais pas trop long non plus, parce que sinon... Non ! Je sais pas ce que je fais. Ouais, parce que sinon après la vidéo sera bien trop lourde. Allez, passe toi, arrête-toi. Bon, allez, vas-y, passe. Bon, normalement, ça a rien de compliqué, hein. Allez, vas-y, passe. Vas-y, passe. Oh, putain. Vas-y, passe. Arrête-toi. Non, il s'est pas arrêté. Passe. Oh, putain. Passe, vas-y. Allez, j'ai fini, là. Ça y est. Target achieved. Yeah. J'ai réussi. Okay. Ah, que c'est bien. Ah, ça, c'est pas mal. C'est fluide. C'est bien géré, oui, il n'y a pas de bug, là c'est bien. Allez, on va faire le next level, on va voir un petit peu à quel point ça peut devenir plus chaud que ça. Donc forcément, plus de trafic, les deux voies, oh là 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 là, oh, pooh, j'ai fait une grosse connerie. Bon alors, la grande question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je recommence direct au level 2 ou... Level fail. Try again, allez, c'est parti, passe. Passe, arrête-toi, passe, allez, vas-y, est-ce qu'ils peuvent arriver d'en haut, j'espère pas, vas-y, passe, allez, je dois en faire passer combien, 14, allez, grouille, non, vas-y, non, allez, vas-y, passe, vas-y, arrête-toi, passe, allez, stop, passez plus, ah, oh oui, t'as regardé, oh, mais là, je crois que je deviens bon, là, oh là 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 là. Oh, je deviens bon. Allez, c'est parti, on continue. Allez, j'enchaîne, moi. Allez, grouille. Oui, level complete, 3500 points. Je suis un PGM, je sais, j'ai compris, c'est bon. Contrôle de trafic. Oh là là, alors là, il y a un orange et tout. Ah non, il n'y a pas d'orange. Oh putain, les deux trafics. Oh bah là... Attendez, mais là, ça devient simple, du coup. Parce que t'en arrêtes un, tu laisses passer les autres et c'est fini, non? J'ai pas tout compris là. Ouais, try again. Je comprends pas. Ah, mais oh là là. Ah ouais. J'ai compris. Oh putain, ce truc de fou. Ah ouais, mais faut bien à chaque fois revenir là, bim. Ah ouais, faut gérer entre les deux. Oh là là, j'ai réussi. Oh bah, je crois que c'était du coup de bol là. Oh, mais si ça continue à devenir de plus en plus difficile, là, oh là là, je sens que ça va être horrible. Parce que généralement, dans ces jeux-là, tu comprends... Oh là là là, oh, il y en a trois cette fois. Oh, truc de fou. Allez, vas-y. À chaque fois, faut que je pense à arrêter, quoi. Mais du coup, c'est super facile, si tu penses à arrêter à chaque fois, là. Non, mais c'est bon, il n'y a rien de plus simple, là. Faut juste pas se chier, quoi. La bim, dès que t'en as que t'arrives, hop, hop. Oh non, là, c'est simple, hein. Franchement, si j'ai compris le truc, là, c'est super simple. Comme ça, on laisse passer, on arrête, on laisse passer, on arrête. Il faut juste pas... Voilà. Faut juste pas oublier d'arrêter, quoi, parce que sinon, il y a un gros carambolage. Ah, on va peut-être arriver à la fin, hein. Enfin, ça m'étonnerait, mais bon, on va essayer quand même. Next level, allez, c'est parti. 30, faut que j'en fasse passer. Allez, passe. Oh là là, alors là, je vois ce qui est dur. Ah ouais, c'est quel... Ah ouais, alors là, ça va être horrible. Oh non. On va s'arrêter dès que j'ai un game over, hein, de toute manière, là. Enfin, si, un game over, je crois qu'il y en a un. Game over, voilà. Allez, hop, c'est parti. J'ai fait 7000 points. Je suis bien content. C'est parfait. Mais là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Bon, on va faire ça, là. 3450. Oh, alors, un petit canon. Ça peut faire penser, par exemple, à un jeu que j'avais joué, un espèce de pingouin qu'il fallait envoyer super loin, là, qui se prenait des bombes et qu'on devait faire une distance particulière. Allez, start. Non, apparemment, ça n'a rien à voir. Canon du Père Noël. C'est une histoire en fait, non? Oh, c'est une histoire, c'est mignon. Non, bah on va faire skip, non? Oh, regardez comme c'est beau. Waouh. Sauf qu'on s'en fout, allez hop. Moi je veux du canon, moi. Tin, tin, ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. La 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 la, ouais bah écoutez, c'est Noël, hein, on se déchire avec les musiques de Noël. En plus, il y en a plein là, on en a écouté pas mal depuis le début. Continue, bah on va faire play, hein, allez direct, c'est parti. Oh!
c'est un petit jeu à la Angry Birds, ça, non? On va voir, on va lancer des trucs pour les pousser quelque part. Ouais, ça fait penser à Angry Birds. Oh là là, oh là là. Ah ouais, il y a un paquet de niveaux quand même. On va pas tous les faire, mais on va voir dès que ça commence à devenir compliqué, on va arrêter. Bon, alors, si je comprends bien, il faut faire ça. Non, ça va pas, là. Je crois qu'il faut que je laisse appuyer pour une sorte de boost, non? Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, ça fait penser à Angry Birds. Oh là, que je suis bon, là. Voilà, peut-être dû y mettre un peu plus haut. Ouais, ouais, level complete, play again, next level, voilà, c'est parti. Oui, allez. Merde, mais non. Voilà, j'ai cliqué. Est-ce que je peux le faire, là? Ah oui, donc les rouges dans les rouges, les verts dans les verts. Hein, c'est bien ce qui me semble. Ok. Alors, la physique a l'air pas trop mal. J'ai combien de canons? Je le vois même pas, en fait. Merde. J'en ai pas à l'infini, quand même. Ce serait trop simple. Ah, pas mal, ce que j'ai fait, là. Dommage. Bon, par contre, c'est chiant, là. On voit canon du Père Noël. Oh, non. Non, 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 j'aurais pas dû faire ça. Ah, ça me semblait. Mais est-ce que... Enfin, d'après ce que je vois, ça paraît illimité. Ouais, alors là, par contre, je sais pas comment je vais faire, là, maintenant. Mais je vois solution. Donc, apparemment, reset... Ah ouais, en fait, on a infini, mais c'est juste que, voilà, il faut pas coincer les... Là, pour le moment... Ouais, on va faire un reset. Pour le moment, c'est facile, parce que les blocs, on peut pas vraiment les coincer. Tandis que, dans certains niveaux, je pense qu'on va arriver au bout d'un moment où ce sera beaucoup plus complexe que ça, et on va pouvoir les bloquer, quoi. Voilà, bon, bah là, rien de compliqué, allez, on va se dépêcher un petit peu, parce qu'apparemment, on peut... Oh non, apparemment, on peut lancer tant qu'on veut, allez, c'est parti. C'est la fête, c'est Noël. Voilà, bon, ok. C'est bon, j'ai réussi. Ouais, ouais, c'est cool, level complete, je suis trop fort. Allez, hop, c'est parti. Ah, une étoile. Ah, d'accord, on est noté. D'accord, on est noté. Voilà, mais sinon... Ah, là, ça devient compliqué, donc, ok. Ah, ouais, c'est bien là, Angry Birds, hein, c'est ça. En fait, là, on va détruire le décor. Bim. Oh, mais c'est encore plus simple que ce que je pensais, quoi. Là, on va aller un peu plus haut. Oulala. Ah mais d'accord, c'est pas par rapport à la souris. Parce que là, par exemple, ma souris elle est là, mais le canon il va à peu près... J'allais vous montrer du doigt, mais je peux pas trop montrer du doigt l'écran là. Enfin, vous allez pas le voir. Ah si, 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 ça va bien vers la souris en fait, mais ça dépend après du... Ouais, ouais, de la puissance. Ok, bon ok, on va arrêter de faire les cons là. Mais c'est pas les blocs que je dois toucher. Ah c'est bon, c'est bon. J'ai réussi. Oh là, c'est de la chance hein. Oh non. Oh non, regardez ce fail. Quoique, allez, on va essayer, attention. Oh non, un peu plus fort. Oh oui, oh non, pas mal. Allez, pousse-le. Non mais là, je crois que j'y arriverai pas, voilà. Là, il sera bloqué, je pense. Et si on essaie de faire ça? Ah non, 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 là, ça va pas. Par contre, il rebondit en l'air, ouais, donc... Ouais, non, ça va pas. Non, non, ça va, allez, reset. Mais... Hop. Y'a rien de bien compliqué. Merde. Je sais pas pourquoi je galérais. Bon allez là, je suis à fond. Voilà. Bon, ça va quand même. Bon apparemment les rouges ça le fait réduire et les verts ça fait augmenter la cible. Je sais pas trop ce que ça représente hein, personnellement. Allez, next level. Allez. Bon je sais pas si on va y passer notre vie là-dessus parce que... Mais en tout cas, ce que je vois, on peut bombarder, ça c'est bien, on peut en bombarder autant qu'on veut. Je sais pas si le jeu va ramer au bout d'un moment. Mais ça, c'est assez marrant à faire. Hein. Ça, j'aime bien. Et est-ce qu'en l'air, on peut toucher... Ah ouais, en l'air, on peut toucher un autre canon. Et d'ailleurs, je viens de faire un magnifique truc, là. Là, il faut l'avouer. Alors là, j'essaie de l'envoyer pas trop fort. Ah si, quand même un peu plus fort. J'ai fait un ricochet. Oh là là là. Oh oui, oh, c'était beau. Mais attendez. Mais... Oh non, ça me bloque. Ah oui, mais c'est bon, ils disparaissent, heureusement. Ah, parfait. Oh non. Allez, là. Merde, je fais n'importe quoi. Allez, c'est parti, on bombarde. Oh putain, on peut en mettre plein. Ah génial. Oh mais en fait, on peut en lancer plein. Bon, apparemment, après au bout d'un moment, enfin je veux dire, si on en balance plein, ils vont pas aller bien loin. Alors là, il faut que je me serve de la pente. Ça paraît logique. Mais là, on va en lancer plein. Allez, c'est parti, on en lance plein. On va voir. Quand est-ce qu'il va ramer le jeu, hein? Quand est-ce qu'il va ramer? Ah, au bout d'un moment, ils disparaissent très très vite. Histoire que... Ah, mais... Ah, mais...
Ah ok, ouais, faut que je les pousse. Mais le problème, c'est que je peux pas en envoyer plein, sinon ils vont se ralentir entre eux. Ah, mais d'accord. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait les vers là-haut. Ok, bah c'est bon. Ah, c'était bien ça. Ah, c'est bien, c'est pas mal ça, ça c'est bien. Bon. On fait quoi là? On continue ou on découvre un autre jeu? Bon, on va voir le prochain level et on va faire un autre jeu parce que, bon, je suis sûr que ça doit se renouveler au bout d'un moment, mais c'est pas énorme non plus, hein. Mais c'est bien fait, la physique elle est bien gérée, oui. C'est un bon jeu, moi je trouve que c'est un bon jeu, ouais. Allez là. Mais voilà, je pense que si vraiment on veut faire un très bon score. Alors là, comment je vais l'atteindre? Ah oui, comme ça. Non? Cassant ça là? Hein? Mais comment je vais faire? Ah, mais d'accord, ça y est, j'ai compris. Faut le faire tomber. Parce que j'avais oublié qu'on pouvait le toucher. D'accord. Ok. Voilà. Allez, c'est bon. Bon, allez. On arrête ici. C'était un bon jeu. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Tiens, je suis Ryan. On va envoyer le Père Noël. Ah, pas mal celui-là. Oh, je sens qu'il peut être bon. Il avait 4800 vues ou clics. Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemblait à un œil. Ah, il charge. Il charge. Donc ça veut dire que c'est déjà un jeu un peu plus conséquent, un peu plus lourd. Qui peut être du coup peut-être meilleur. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais depuis le début, les jeux ils ont pas vraiment chargé. Hein. On les a eu directement. Oh, un petit troll! Bubble Box. Il s'est fait shooter le troll. Epic Game by the Best Developers. Ok. Ouh là là, il est beau. Oh, il est beau le Père Noël là. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau le lavabo. Oh, mais en fait, c'est tous des dingues là. Ah, mais d'accord! Ok, c'est un jeu morbide là. Il y en a un qui a une scie. Il y en a un qui a une bouteille. Ah, même la musique, attention, écoutez ça quand même. Magnifique, moi j'ai que ça à dire, c'est super beau. Voilà, bon. Et là, il y a un nounours aux dents là, avec des yeux bizarres et un cerf avec les yeux rouges. Ça fait peur, hein. Moi j'ai. Alors déjà que les jeux flash ils me font peur, mais alors ça. Use your mouse, je vais y arriver, pas la bouche, hein, la souris. Pour aim, c'est le but, mais pour arriver au but, attends pour le maximum power. Gauche, le clic gauche pour avoir le powerful shot. Oh, ta gueule, toi, avec ta musique de merde. Clic héros to blow pétard. Ok, je veux commencer Star Game. Oh là là, alors déjà on voit tout de suite le. Comment on appelle ça? Le jeu est nerveux, quoi. Il est super nerveux. Alors, ouais, je vais choisir un angle et. Le boost à fond, c'est parti. Il était pas à fond. Ouah, mais c'est génial, les amis. Je m'éclate total. Click Santa to blow pétard. Quoi? J'ai rien compris. Hein? Mais je dois. Ah oui, c'est ce type de jeu-là que je voulais dire. Oh, trop bien, on va dans l'espace et tout. Et je dois récupérer des items, new item. Oh lolo lolo, oh, ça me paraît vraiment bait. Oh, génial, d'accord. Oh, c'est plus complexe que ce que je pensais, là, dis donc. Ah, mais par contre, on revient, du coup. Ok. Ah, ouais, pas mal, pas mal. Ouais, sauf que là j'ai plus d'objets. Et click here to use accelerator. Ah, d'accord, ok, c'est un objet sur lequel fallait je clique. Ah. Et là je peux pas récupérer des. Oh non, il vomit. Je peux pas récupérer d'objets. Bon, ok. Là j'ai une distance. Monnaie, ah, ça me fait gagner de l'argent et avec ça je peux acheter des trucs. Ouais, alors c'est pas mal, mais faut prendre le temps d'y jouer. Allez, on va voir autre chose. Mais c'était bien, j'ai bien aimé. Alors, ça c'est quoi ça?
course de traîneau. En fait, là, je me rends compte qu'on a fait pas mal de types de jeux différents, hein. C'est bien, on est pratiquement jamais tombé sur le même pour le moment. Oula, il y a un temps de latence avec la souris, là. Bon, déjà, ça commence bien. Oulala, mais qui est... Ah non, Play More Games. Oula, qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, New Game. C'est tellement écrit bizarrement. Free, Easy, Lapse. D'accord, Hard, Easy et Normal. Ouais. Start Race. Ok. Et là... qu'est-ce que c'est, ça? D'accord. Il faut que je clique plusieurs fois, peut-être? Non. Mais qu'est-ce que... Ah, si. C'est bien ça, c'est... Oula, d'accord, ok. C'est les touches du clavier. Ah, bah, je peux pas restart, là? Bon, c'est pas grave, on va essayer de la rattraper. On va essayer de faire nos PGM. Un petit jeu tranquille, là. Hein. Bon, ça me ralentit. Ah, si, ça me ralentit quand même pas mal. Donc, faut que je fasse gaffe. Allez, accélère là, bouge ton traîneau. Ouais, faut que je désaccélère un petit peu. Chaque fois quand il y a des plus gros virages. Bon ouais, et à part ça, c'est pas très très exaltant comme machin. En plus les autres, je sais pas où est-ce qu'ils ont filé là. Je les vois au loin. Ah, on les voit loin quand même. Oh, oh là là, c'est moi je dors, hein, vous me dites quand j'aurai terminé, hein. Oh putain, mais c'est qui prend de la vitesse, le con? Au bout d'un moment. Putain, oh, pas mal. Et en appuyant en bas... Ah ouais, en appuyant en bas, ça ralentit. Ah. Oh, enfin là, ils sont trop loin, là. C'est plus possible, maintenant. Je trouve que les décors varient vachement derrière. Quand on tourne et tout, c'est pas mal. Hein. Ouais, bon, ça vous dérange pas si je change de jeu, hein. Voilà, parce que bon, c'est pas que ça m'emmerde un petit peu, mais presque. Noël, Casper. Allez, on va rendre visite à Casper un petit peu. Tiens, j'ai vu qu'il y avait une bulle, donc un commentaire, ça veut dire, non? Ce jeu est super, j'adore ce jeu. Je mets la note 100 sur 100. Kikoulol! Non, je rigole, excusez-moi. Ouais. Comment ça se fait que je vois plus ma souris? Ah, parce que, oh là là... J'ai une main de fantôme, j'ai la main de Casper. Mais qui ne connaît pas Casper le petit fantôme? Ah là là, hé, hey, n'empêche, je connaissais ça étant petit, ils ont fait des films dessus et tout, mais on n'en entend plus du tout parler, quoi. C'est terminé, c'est fini ce truc, c'est dommage. C'était marrant. You must stop your tree. C'est un arbre, ça, non? Uncles from scaring. Ah d'accord, faut faire peur, quoi. Your young and nice friend Holly. You must hurry! Donc je dois me dépêcher, mais de quoi faire. Donc là, c'est moi qui dirige Casper, apparemment. Ok, j'ai cliqué, il a fait aha. Non, ça c'est un clic droit, ça doit pas être bon. Oh, faut que je le chope, non? Génial. C'est sûr qu'en plus, si j'ai pas compris ce qu'on m'a demandé de faire, je suis dans le beau drive. Mais ta gueule! Je peux rien faire avec les touches. Ah, ah! J'ai pu prendre le balai. Et alors? J'ai envie de dire, et alors? Je comprends rien. Bon, allez, dégage. Je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Ah, tiens! Un jeu de hasard. Je suppose que voilà, il va y avoir trois chapeaux, ils vont les mélanger, on va devoir. C'est quoi cette langue? Ouais, c'est pas grave. Voilà, attention, on va avoir des bons yeux. Attention, c'est parti, vous allez m'aider. Oh, oh, je crois que je l'ai suivi, attention. Oh, que je suis bon. Attention, on se concentre pas, c'est parti. Oh, je sais pas si je suis un PGM, mais là, j'arrive à le suivre. Hein. Allez, on continue comme ça. Ok. Putain, mais j'arrive à le suivre. Je sais pas vous, mais... Putain, j'essaie de vous faire deviner la prochaine fois. Bon, allez là. Alors, à votre avis, on a un petit pronostic. Moi, je pense savoir où il est. Et vous? Ici? Ici? Ou ici?
Allez, je vous le dévoile, c'est là. Oh, oh, oh. Allez, c'est parti, on continue. Attention. Est-ce qu'il faut pas cligner des yeux? Sinon, c'est mort. Le pire, c'est que ça dure de plus en plus longtemps. Alors, je peux vous dire que là, je commence à avoir les yeux qui avaient tendance à vouloir se fermer. Vous avez deviné, c'est bon. C'est ici. Alors là, je sais pas si c'est facile ou alors si j'y arrive vraiment bien. Attention, concentration. Ça y est, je crois que j'ai trouvé un jeu qui me correspondait. Voilà, c'est ici. Ah non, mais j'y arrive super bien en fait, mais je sais pas si c'est simple ou pas. Attention, mais faut de la concentration. Hein. Faut putain se concentrer. Ah putain. Ah, ça dure super longtemps. T'as les yeux qui ont envie de se fermer. Tu commences à avoir de la poussière qui te rentre dans les yeux. Là. Oh là là, c'est un truc de fou. Mais je sais, il est là. Mais. Oh là là. Oh, faut se préparer. Attention. Si vous lâchez des yeux une seule seconde, c'est fini. Oh là là. Faut que je me mette du scotch quoi sur les yeux. C'est ici. Oh mais. Putain, mais c'est trop dur. Enfin, j'y arrive, mais. Oh, concentration, attention. Ah, je crois que je l'ai perdu de vue. Un moment. À mon avis, il est au milieu. Allez, par contre, il y a le bonhomme de neige qui avance, donc c'est peut-être le temps qu'on a. Là. Ah oh ouais, j'ai réussi, putain. Je vais essayer jusqu'à ce que je perde, mais bon, ça risque d'être long. Non. Allez, mes yeux. Allez, mes yeux. Je crois qu'il est là. Oui. Ah franchement, faudra vraiment que vous me disiez si vous, ça a été compliqué. J'aimerais bien comparer ça avec vous. Oh, ça fait mal. Ouais, j'aimerais bien comparer ça avec vous pour voir si vous avez trouvé ça simple ou pas. Parce que, je veux dire, il suffit de pas fermer les yeux, d'essayer de bien trouver. Parce que franchement, nos yeux, ils peuvent faire beaucoup de mouvements à la fois et c'est pour ça qu'on y arrive. Mais là, je sais pas, alors je suis peut-être surhumain ou alors c'est complètement super simple. Mais voilà. Bon, un petit dernier, allez, un petit dernier. Oh, ça me paraît chaud là. Oh, ça va vite en plus. Je crois que c'est là, mais je suis pas sûr. Attention. Ah ouais, c'est ça. Bon, allez, on arrive à 500 points. Allez, 500 points. Je suis à 390. Mon but, c'est 500. On va voir si je fais l'erreur avant. Aïe. Oh non, je l'ai perdu. Oh putain, il faut vraiment pas cligner des yeux une seule fois. Eh ben, je l'ai perdu. Oh merde, j'ai cligné des yeux. Alors là, ça va être du hasard, là. Oh putain. Oh là là, hé, vous l'avez peut-être suivi, moi je mettrai lui. Mais alors là, derrière votre écran, vous devez vous dire, non, c'est pas lui. Oh merde. Allez, une chance sur trois, c'est parti. Oh non. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu. Voilà, j'avoue ma défaite, voilà. Ah mais c'est un bon petit jeu, punaise. Regardez, voilà comment on peut s'amuser quoi avec rien du tout. Oh, c'est énorme. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour le moment, c'est mon jeu préféré. Voilà, il était tout simple, mais c'est mon jeu préféré. Allez, on va se faire un petit peu de bowling. Allez, un petit peu de bowling. Play. Bon, on va pas en faire beaucoup, je pense, parce que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dégommer? Des pigeons, non? C'est quoi? C'est des poules? On va dégommer des poules? Je te pensais pas comme ça, Père Noël. Allez, hop! Ah, il y a l'angle et tout. Et ce qui est bien, c'est que voilà, pendant qu'on peut choisir l'angle, on peut encore bouger, ce qui est souvent très rare dans les jeux. D'habitude, on choisit notre position, après on choisit la puissance, après on choisit l'effet qu'on va y mettre.
Alors que là, on peut gérer pratiquement tout en même temps. Donc ça c'est pas mal. Quoi, j'ai fait un strike? Ah non. Ok. Ah, je sais ce qu'il va falloir faire là. On va se mettre ici. On va gérer assez fort. Enfin, même à fond, apparemment. Et on va essayer de faire un... Oh, pas mal à gauche quand même. Comme ça, on va essayer d'aller à choper celui de gauche avec. Oh non! Le truc était impossible à faire, quoi. C'est-à-dire passer entre tous les poulets. Oh bah oui, bah magnifique. Mais je trouve ça bizarre qu'il nous ait mis des poulets. Et en plus, le Père Noël, il a une cigarette. Non mais n'importe quoi. Avec des bouteilles d'alcool. Non, mais alors ça c'est pas un bon message, ça. Hein. Oh là là, j'aime pas ces genres de clichés, mais c'est pas grave. Hop! Oh bah non, j'ai mis un petit effet dommage. Voilà. Allez, super fort. Et un petit effet à droite. Ah, pas assez, pas assez. Ah, il est plus dur que ce qui paraît, hein. Allez, on va essayer d'aller assez vite. Bim. Oh, mais je fais de la merde, en fait. Ah, c'est plus difficile que ça en a l'air, hein. Vraiment. Oh non. Oh putain, mais l'effet, oh, dis donc. C'est un petit et c'est parti, hein. Ça part très, 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 très vite. Et pour cliquer au milieu, c'est plus difficile aussi que ça en a l'air. Bon, là, je vais peut-être faire un spare au moins. Allez! Oh non, mais c'est pas possible. Oh, faut que j'attende vraiment un peu plus. Je vois qu'à chaque fois, j'attends pas assez. J'ai trop peur que ça aille trop vite le curseur, mais du coup, hop! Oh non! Bah, j'ai trop attendu! Putain, mais. Oh, j'aimerais bien faire un spare au moins, ou un strike, ce sera encore mieux. Allez là! Oh, à une qui. Ah bah ça c'est bien comme dans la réalité. Putain, en vrai, à chaque fois, j'ai trop du mal à faire des strikes parce qu'à chaque fois, il me reste qu'une seule qui. Allez là. Oh non, mais j'étais un peu trop à droite. Oh, c'est pas vrai. Allez, un petit strike avant la fin. Hop, non, mais c'est pas. Ah, faut que j'attende un peu plus. Mais quand j'attends un peu plus, j'attends trop du coup. Je sais pas quoi faire moi. Allez là. Oh. Oh, mais ça doit être super. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée pour faire un strike. Je le faisais sur la Wii. Oh putain, entre les poules quoi. Non, ce que je faisais, c'est que je me mettais un petit peu à droite. Et je mettais un tout petit effet. Je mettais à fond comme ça et je mettais un tout petit effet sur la gauche. Hop, parfait. Oh, il était beau pourtant. Ah, oh, j'aurais presque pu là. Bon, bah là, ça va pas être possible, hein. Je vois pas comment je vais me démerder, hein. Pff, bah ouais, forcément. Bon, bah on est pratiquement à la fin, on va aller jusqu'à la fin pour voir à peu près le score que j'aurais fait. Ah, pas mal, pas mal, ça aurait pu être mieux. Mais j'ai l'impression que faire des strikes dans celui-là, c'est vraiment chaud, quoi. Oh non! Trop à gauche, je l'avais vu. Allez, dernier essai. Un petit spare au moins, ce serait pas mal, quoi. Oh oui, strike! Strike! Oh là là, il était beau celui-là. Et du coup, j'ai droit à un truc bonus. Ah, dommage. Dommage. Ah, j'avais droit à peut-être un spare alors. Allez, un petit spare. Oh non, 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 mais je l'ai eu là, non. Bon, c'est pas grave. Combien? 79 points. Ouais. Non, 88 là. Non, c'est quoi ça? Ah oui, ici, ça se termine là, les trucs que j'ai fait en plus. D'accord. 88 points. Bon, je fais à peu près ce que je fais dans la réalité. Oui, je suis nul. Ah là là. Bon. Faudrait que je m'entraîne hein, au bowling dans la réalité. Alors ça c'est quoi ça? Noël, une fille worm. Des vers de terre? Quoi, mais qu'est-ce que des vers de terre viennent faire à Noël, quoi? Bon, allez, deux petits jeux. Celui-ci et un dernier. On finira. Parce que voilà, bon. Ça m'a bien plu, moi, cette petite série de jeux là. Je sais pas vous, si vous passez une bonne petite soirée de Noël. Et puis bon, si vous regardez ça le soir même de Noël, j'ai pas envie de vous bousiller toute votre soirée de Noël. Hein. Il faut bien rester avec votre famille aussi quand même. Ou avec votre chien si vous êtes tout seul. Ou vos chats, je sais pas moi. Ouais, et puis que vous alliez profiter de vos jeux. Ou alors peut-être vous regardez aussi ma vidéo en attendant les vôtres. Hein, ça, j'en sais rien après. Hein. Mais ouais, que vous ayez profité de vos jeux, si vous avez une nouvelle console, bah que vous alliez là y jouer, y profiter pleinement, un nouveau jeu aussi, parce que ça je sens que pour les gamers ou gameuses que vous êtes, je pense que ça va y aller là les jeux. Je pense que ouais. Alors j'ai même pas vu en fait. Merde.
On utilise les flèches, ok. Bon. Alors, c'est peut-être comme un serpent, sauf qu'apparemment, non, on peut pas se mordre la queue. Hein. Non, on peut faire... Oh, putain, on peut accélérer! Ah, d'accord. En haut, c'est... Alors, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, gauche et droite, c'est pour tourner. Et en haut... Et en haut, c'est pour accélérer. C'est pour aller plus vite, en haut. D'accord, et on peut sortir de la terre? Oh, oui, on peut faire le dauphin! Oh, putain, la musique! Ah, d'accord! Ah, faut bouffer les lutins! Oh non, mais c'est gore! Oh, j'aime pas ces genres de jeux. Mais bon, oh, allez, c'est mort, on s'en fout. Mais bon, pour l'esprit de Noël, ça le fait pas, quoi! Oh non! C'est trop fort! Avec la musique bien trash, là! Du métal, là! Je vais tous vous bouffer! Je suis le vert! Je vais bouffer des lapins, j'ai fait un combo! Allez, un combo lapin-lutin! Putain! Un petit combo cerf-lutin-lapin. Lui, non, oui, il était beau, le cerf-lapin-lutin. Oh là, il est trop fort, ce jeu. J'aime pas trop le principe. Allez, on va bouffer les yétis. Allez, on bouffe les yétis. Oh, mais c'est marrant. C'est marrant quand même. Allez, on va faire un combo. Yéti-lapin-lapin. Allez, un cerf, un lutin, un deuxième lutin. Combo x3. Un yéti. Et voilà, feeding complete, je suis trop un big boss, allez, on sort de là. Oh putain, oh, c'était trop fort. C'est quoi ça? Noël ourson. Oh, c'est quoi ça? Mère Noël sexy. Ah bah oui, ah bah. Forcément, forcément, regardez, regardez, regardez. Ah non, tiens, je suis mauvaise langue là. Ouais, bah c'est vraiment que là, la lignée, elle est très très bonne. Mais sinon... Ouais, mais comment ça se fait que je tombe sur des super bons jeux tout à coup, là? Non, parce que regardez, par exemple, là, 3000, 5000, 8000, et là, pouf, 480 259. Wow. Comme par hasard, parce que c'est Mère Noël sexy. Pff. Bon, j'ai envie de voir ce que c'est, mais en même temps, si c'est du moins de 18, voilà. Bon, on va voir, mais j'ai envie de voir surtout les commentaires. Enfin, c'est pas pour moi le moins de 18, hein. Moi j'ai plus de 18 ans déjà, mais 20 sur 20, il est trop bien, j'adore ce jeu. Je veux juste voir dans les commentaires s'ils mettent que c'est pas... Bon d'accord, ils disent rien, je m'y risque ou pas? Scratch and help Pamela. Find her itchy spot in 60 secondes. On va voir ce que c'est. Bon, c'est plus de minuit, hein. Les enfants ils sont couchés. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Click on Pamela... Body scratch. Oh non! Oh non! On va pas la déshabiller quand même! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris là. J'ai du temps. Ok. Ouais, on va sortir de là, d'accord? Je veux pas choquer les petits, moi. Enfin, de toute façon, maintenant, comment vous voulez qu'on choque? Hein, on nous montre tellement de trucs. J'avais dit dernier jeu, mais en fait, j'en vois des pas mal là, qui m'ont l'air sympa. Par exemple, c'est quoi ça? Père Noël Luche, ça peut faire penser à Line Rider. C'était un jeu, bah un jeu flash justement, mais lui, par contre, j'avais trouvé super bien. Line Rider, c'était un jeu, en fait, on pouvait créer son propre parcours et le gars allait faire le parcours. Ah ouais, oh, bah un jour, je pense que maintenant que j'ai ce logiciel là, oh, faudra que je vous le fasse. Oh, faudra vraiment que je vous fasse ce jeu, Line Rider, il m'a carrément marqué. On peut sauvegarder nos trucs et tout. Ah ouais, j'avais vraiment aimé. Ah, j'avais vrai. Eh ben voilà, ben c'est ça! C'est du Line Rider! Bon, par contre, il doit être moins bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on crée notre parcours. Oh, c'est génial! Bon, c'est moins bien que Line Rider, je suppose, mais. Voilà, vous comprenez le principe. C'est du Line Rider. Et pour le faire enclencher, c'est espace, non? Comment? Ah, lecture là! Oh là là, c'est comme Line Rider. Oh, il y en a là. Oh ouais. La même inertie et tout, pareil. Oh, énorme! Ah mais oui, mais d'accord. Peut-être que je vais mettre un peu en pente. Oh, c'est énorme, j'adore ça. Oh, ça fait trop penser à Line Rider. Oh, c'est trop bon. Oh, j'aime bien ça. Ah, et on a une jauge de dessin, on peut pas en faire plein. Ah ouais, elle est là, la jauge de dessin. Oh, c'est bon ça. Par contre, Line Rider, c'est beaucoup plus élaboré. Ah, par contre, là, il y a des flèches. C'est quoi ces flèches?
on peut mettre des boosts, des ralentis et tout dans Line Rider, c'est vraiment bien. Enfin... Ça a l'air d'être un boost, ces trucs de flèche là. Ou qui nous emmène quelque part apparemment. Oh, il est bien celui-là, dis donc. On va essayer de faire un peu les cons. On va voir un petit peu, on va essayer de pousser le jeu un peu dans ces derniers retranchements. Si par exemple je fais une pente comme ça. Et qu'après, je te fais faire un looping. Oh, il est un petit peu pourri mon looping là. Vas-y, fais voir. Alors déjà, est-ce qu'il prend de la vitesse? Parce que dans Line Rider, il en prend pas mal. Hein. Ah ouais, là, il en prend. Ah, par contre, ouais. Ah, il se paye contre les lignes de construction. Ah ouais. On peut pallier ce problème dans Line Rider. On peut. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, c'est pas mal. Un bon petit jeu, ouais. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe de jeu. Créer de soi-même son parcours et faire... Tiens, encore un jeu habillage Mère Noël. Bon, ça, c'est plus... comme son nom l'indique, de l'habillage, quoi. Défense de château. Bon, après, écoutez, si vous voulez en voir davantage, venez là-dessus, sur ce site, hein. Il m'a l'air pas mal, hein. J'ai juste tapé jeu Noël. Vous voyez, il y en a une bonne fournée. Si vous savez pas quoi faire là pendant Noël, allez sur cette page. Voilà. Bon, franchement, je la trouve bien. Allez, pour finir, on va faire 2-3 autres petits jeux. Mon jeu préféré, hein, il reste celui-ci. Christmas Candy. Mais j'ai envie de voir, là, c'est quoi ça, ce défense de château, là. Allez, c'est un jeu à la Tower Defense, non? Maybe. Alors là, 1h02 de vidéo, j'espère que ce sera pas trop trop lourd comme vidéo. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un test une seule fois avec comment ça s'appelle Give Up Robo 2, j'ai pu faire pas mal de vidéos beaucoup plus longues, donc je pense que ça ira. Mais il faut pas que j'aille trop au-delà de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Défense Château Noël. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Fire? Donc là, il m'attaque. Ça, c'est ma vie. Défense Château Noël. Mais on fait quoi? Je comprends rien. Ah! Oh, punaise! On peut leur lancer des boules de neige. Boules de neige, jour de l'an et bonne année, grand-mère. Tiens, dégage-toi. Hey, comment ça se fait que je peux pas l'avoir, lui? Oh putain, une catapulte! Ah mais d'accord, faut peut-être leur mettre plusieurs coups! Allez, dégage! Mais je comprends pas, là, je suis en train de me déterrer de la neige! Et ils sont en train de me mettre de la neige après, non, j'en sais rien. Oh là là, c'est bizarre comme jeu, là. Putain, ils font de ces bruits de merde! Tiens, dans ta gueule! Putain! Tiens! Mais tout ce qu'on peut faire... Ah, c'est pas mal, dis donc! Enfin, pas mal, c'est bof, mais c'est pas mal, c'est marrant. Putain, qu'est-ce qu'il m'envoie? Il m'envoie un ton. C'est quoi ce machin, là? Oh, là, je fais n'importe quoi, allez, j'arrête. Oh, c'est énorme, ce jeu. Enfin, bon, énorme, bref. C'est quoi, ça? Habillage. Ah, ouais, je suis attiré par des trucs comme ça, moi. Faut que j'arrête. Oulala, le Père Noël, là. Père Noël Killer. Ça me plaît pas trop, ce genre de jeu, là. Quand c'est pas tout beau, tout enchanteresse, comme ça, tout enchanteur. Cadeau de Noël. Ouais. Je suis en train de voir par quel jeu on pourrait terminer. Boule de neige, jour de l'an et bonne année, grand-mère. Pourquoi bonne année, grand-mère? Pourquoi bonne année, grand-mère? C'est les bonnes paroles, au moins. Deep Freeze, c'est quoi ce machin? Allez, il a beaucoup de vues, il a 9 commentaires. Allez, on va terminer par ça. Allez, qu'il soit bon ou mauvais, on va terminer par celui-là. Start Game. Un jeu de tir, non? Alors, faut que je bouge avec ça, je suppose. Espace pour tirer, et je me suis fait eu. Oh ouais, tiens! Père Noël The Killer. Non!
Écoutez le bruit quand il saute. Énorme, c'est Sonic. Le bruitage de Sonic. Il aurait plus fallu qu'il nomme cette zone Ice Cube Zone. Donc je suppose qu'il faut tous que je les gèle avant qu'ils se dégèlent eux-mêmes. Allez, c'est parti. Par contre, lui, je le loupe. Allez, tiens, tiens. Merde, merde. Ah, d'accord, on peut descendre en appuyant simplement en bas. Ça, c'est bien. On les shoot. Ah, speed up. Ah, c'est bien, ça, dis donc. En fait, on peut les shooter. Ah, c'est espace pour shooter, d'accord. Ah, mais là, je me fais toucher comme une merde, là. Mais ça va, j'ai plein de cœurs, apparemment. Ah, en fait, non, faut pas tous les geler, faut les... D'accord. Et c'est quoi, ce machin, là? Oh, non, les bruits, attends, attends. C'est quoi, ce bruit, aussi? Je connais ce bruit. Oh, là, il y a des bruitages qui sont tirés de plein de jeux, là. Attendez. J'essaie de reconnaître. Oh non, j'ai pas eu le temps de l'attraper. Bon, faut vraiment que je le reconnaisse, ce bruit. Espace. Non, ce bruit, je reconnais pas. Ça. Non. Ouais, ce bruit-là. Bizarre, ça me dit vraiment quelque chose. C'est quand on met la pause. Ah ouais. C'est quand on met la pause dans un Sonic aussi, non? Hein, oh, ça me dit quelque chose, vraiment. Hein. Ah, d'accord, il tombe. Attention, ce bruit-là. Putain, bah, alors je sais plus d'où je tire ça. Bon, allez. On va finir au moins le level 1. Même si c'est pas super passionnant. Putain, mais... Ça m'intrigue, hein. Allez, tiens, prenez ça. Bon, bah voilà, allez. Bah, écoutez, on va se quitter, hein. Moi, j'espère que vous passez un très bon Noël. Moi, j'aime bien les fêtes de Noël comme ça. C'est souvent en famille ou alors, je sais pas, avec des amis comme ça. Plein de cadeaux, la magie de Noël. Ah, j'aime bien, c'est beau comme fête. Moi, j'ai gardé mon âme d'enfant, j'aime toujours autant. Je suis. Voilà, je suis resté un enfant là-dedans. Et je pense qu'on est un peu tous pareils face aux cadeaux qu'on peut recevoir, à la bonne ambiance, bon enfant de Noël, les décorations, les guirlandes, tout ça, le sapin. J'espère que vous en avez mis un chez vous et tout. Ouais, c'est bien. Enfin, si vous aimez fêter Noël, je sais qu'il y en a qui aiment pas. Mais je respecte ça. Mais voilà, bon. Voilà, de manière générale, j'espère que même si vous fêtez pas Noël, bah, qu'au moins vous passez une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas. Voilà. On va s'arrêter ici. Moi, ça me fait plaisir de faire ces petits jeux là pour une soirée de Noël. Comme ça, moi, ça me permet aussi de tester ce logiciel-là. Voilà, 1h07, 1h08. Bon, il y a un petit décalage, apparemment. Et puis, ben voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah, ça nous met le truc. 27 GB. Quoi? 27 gigas? Ah oui, mais quand je vais faire le montage, ça va descendre, j'espère. Parce que putain, 27 gigas? Ah ouais, c'est assez énorme. Pourquoi ça change pas, là? Bon, c'est pas grave. Je verrai bien. À moins que ce soit autre chose, le giga. J'espère que c'est autre chose. Hein, parce que... Et bon, je crois que quand je fais le montage, ça se réduit vachement. Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, finissez bien votre soirée de Noël. Ouvrez bien vos cadeaux si c'est pas fait. Amusez-vous bien avec si c'est déjà fait. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon, un très joyeux Noël. Et on se retrouve pour une vidéo quelconque, ou par exemple pour le jour de l'an. J'ai rien prévu de spécial et je pense que je vais rien prévoir de spécial. Je vais simplement peut-être vous mettre une vidéo un petit peu à part, comme ça. J'ai une petite idée en tête. Je ne serai pas tout seul normalement dans la vidéo, mais bon, on va voir. C'est vraiment pas sûr. Peut-être que je prévois faire quelque chose, j'en sais rien. Donc voilà, vous le verrez bien en temps et en heure. Voilà. Allez! Bonne fin de soirée, joyeux Noël, retournez bien à vos occupations et ciao à tous !